tous, aujourd'hui je vous montre la Glossy Box du mois de décembre donc, que j'ai reçue. Donc la boîte est bleue avec des petites étoiles argentées. Il y a une petite phrase, un Noël impérial derrière. Les bruits de bébé que vous entendez, c'est Aliénor qui est juste derrière moi. Donc voilà, elle participe à la vidéo à sa façon. Tu parles? Ouais. Ouais. Tu pleures pas, hein? Oh. Titus. Oh, voilà. Alors, découvrons ensemble ce qu'il y a dans cette box. 10 spéciales fêtes. Alors, forcément, il y a donc le petit bouquin. Donc sur le thème des fêtes, avec des maquillages spécial fêtes, Noël impérial. Voilà, il y a des tutos make-up pour les fêtes. Donc à lire avec précision si on veut ne pas louper son maquillage de fête. Je sais même pas s'il y a des recettes. Est-ce qu'il y a des recettes pour les fêtes? Non, il n'y a pas l'air d'avoir de recettes. Il y a des DIY, mais il n'y a pas de recette. Ah si, autant que pour moi. Voilà, il y a des petits, on dirait des sablés aux amandes. Bon voilà, si vous voulez faire des gâteaux, il y a une recette dans le Glossy Box du mois de décembre. Alors, donc j'ai enlevé tous les papiers et tout ce qu'il y a. On va commencer par les goodies, on va dire. Donc c'est une bougie. Donc, pour Noël, c'est très très bien une bougie. Et donc c'est les bougies Ma Jolie Candle, donc forcément tout le monde connaît, moi également puisqu'on en voit sans arrêt sur YouTube, c'est les bougies avec les bijoux à l'intérieur. Donc voilà, donc celle-là elle est vraiment toute petite, hein, c'est une miniature. Voilà, Ma Jolie Candle. Alors quand j'ai vu ça, je me dis ouais super, je vais pouvoir tester avec un bijou et tout, ça va être trop bien. Mais en fait, en regardant un peu plus sur l'emballage, c'est marqué en tout petit que pas de bijoux dans cette mini bougie. Donc c'est un peu, on va dire, c'est pas l'arnaque parce que c'est marqué. Mais c'est un peu décevant parce que le but de la bougie c'était le bijou quoi. Donc si on peut pas tester avec le bijou. Toi aussi t'es déçue? Voilà. Elle est déçue parce qu'il n'y avait pas le bijou dedans. Donc je voulais la brûler tout de suite et puis finalement je vais la garder pour les fêtes. Vu qu'elle est toute petite, pourquoi pas la mettre sur la table. Oui, donc ma fille parle beaucoup en ce moment. Voilà. C'est une future bavarde. Donc voilà pour la bougie. Donc c'est une bonne idée mais un petit bijou aurait été idéal, surtout qu'il y a marqué un bijou dans chaque bougie, sauf celle-là, bien évidemment. Voilà, c'est dommage. Et d'ailleurs, je sais pas si elles ont une odeur. C'est une petite odeur, mais je sais pas. Qu'est-ce que ça sent? C'est une petite odeur de Noël. Ah si, voilà. Bougie parfumée nuit d'hiver. Elle sent bon. Il n'y a plus qu'à tester. Donc, merci pour les bruitages, ma fille. Elle est trop marrante. Ensuite, un autre goodies, c'est un pinceau de make-up. Donc ça, c'est super, parce que les pinceaux, bah, on a toujours besoin. Et donc, c'est un pinceau de la marque Julisius, le 631. Donc Julisius, moi, je connais grâce à Sana, puisque c'est, je pense qu'elles sont de grandes copines. Mais je n'en avais jamais testé, donc à tester. Voilà, il a l'air bien, je pense que c'est quand même un bon pinceau. Ensuite, donc forcément il y a 10% de réduction si vous voulez une bougie avec un bijou cette fois-ci. Et donc le code cadeau c'est GlossyBox10. Voilà. Voilà, 10% de réduction pour avoir une bougie avec un vrai bijou. Vous avez également 10% offert sur le site Zalando. Bon ça je pense que c'est un petit plus. Voilà, avec le code, je vous le mets là. J'essaierai de vous le mettre en plus gros. Bon, ça, c'est si jamais vous voulez acheter des vêtements de dernière minute. Passons aux produits. Alors, ça va? Oui. Pour les produits, nous avons un shampoing sec. Bon, bah ça, c'est vu et revu dans les box. Hein. J'en ai une collection maintenant. Bon, le format est sympa parce que celui-là, on peut l'emmener en voyage. Donc, il est de la marque Go Pretty. Je pense que tous les shampoings secs se valent. Enfin, je sais pas, mais moi, je connais bien les Baptiste. Après, je crois que j'en ai déjà eu un de cette marque-là dans une box et pour moi, bon, ça marche très très bien. Donc, cheveux regressant vite absorbent l'effet de sébum. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas vous réexpliquer l'utilisation, tout le monde connaît. Ensuite, nous avons alors un gel douce nourrissant sur gras. Donc, en petit format de voyage, très pratique si on part en voyage ou en week-end. Donc, c'est un cosmétique bio de la marque Colis. Voilà.
Il fait 50 millilitres. Donc voilà, eau chèvrefeuille bio. Bon, bah ça c'est un plus, ok, hein, gel douche encore une fois, mais pourquoi pas. Nous avons ensuite un masque. Alors d'une marque que je ne connais pas, la théorie des volcans, noir éterna, potion jeunesse pureté. Tu veux un masque aussi toi? Ah bah oui, elle veut un masque. Donc c'est un masque exfoliant, voilà. Masque de jeunesse. Avec de la poudre de lave. Bon, bah à tester alors, pourquoi pas, ça peut être sympa de tester. Il contient 30 ml. Ensuite, on va dire le dernier produit, et je pense qu'il est le mieux de cette box. C'est alors un liquide, enfin un lipstick, un rouge à lèvres longue tenue. Voilà, de la marque, c'est bien Too Faced. Voilà, bon ça, on les a vus et revus sur YouTube, apparemment, ils sont super. Et ce que j'apprécie dans cette box, c'est que pour une fois, ce n'est pas un rouge flashy. Voilà, donc ça tombe très bien, c'est alors la couleur, c'est chocolate only, donc je suis assez satisfaite parce que déjà je voulais les tester, et en plus que ça soit pas un rouge flashy, parce que j'en ai marre des rouges à lèvres rouges qu'on donne dans les box, vu que moi le rouge je suis pas encore, on va dire prête à en mettre tous les jours, alors que ça c'est plus mes couleurs que je porte, donc je suis très contente pour tester cette box. Donc, enfin, c'est ce produit, je voulais dire. Donc voilà pour cette box qui, ma foi, on va dire, n'est rien d'exceptionnel puisque ce sont des produits, même si c'est pas les mêmes marques, on voit et revoit à chaque fois dans les box, à part donc ce rouge à lèvres qui est quand même, je le trouve bien. Voilà, il n'y a pas un petit plus qui fait, ouais, c'est Noël, je sais pas, on aurait pu mettre des petits chocolats de Noël, un petit Père Noël en pinceau, enfin bon, je sais pas, on aurait pu trouver des petites. Des trucs de fête, des paillettes, bon, même si je crois que l'année dernière on avait des paillettes, enfin bref. Enfin je sais pas, bon. Moi pour moi c'est une box lambda, ça fait pas vraiment spécial fête Noël. Bon c'est pas grave, mine de rien les produits je vais quand même m'en servir donc c'est pas non plus perdu. Hein. Mais il n'y a pas le petit plus que j'aurais aimé pour fêter la fin de l'année, les fêtes quoi. Si jamais vous avez eu des produits différents de ma box, vous pouvez m'indiquer si vous c'était beaucoup mieux ou vous avez justement ce truc original que j'attendais. N'hésitez pas à me faire part de commentaires. Pareil, si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et sur ce, ben, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année si je ne fais pas d'autres vidéos d'ici là. Et plein de bisous bien sûr.